La construction de la route de liaison A1-M1 Link Road est le deuxième projet majeur après les flyovers à Phoenix afin d'avoir un réseau routier efficace et fluide. Ce projet améliorera la distribution du trafic au sein du réseau de la route A1 et de l'autoroute M1 et fournira ainsi un accès alternatif à Port-Louis au trafic provenant de Rosehill, Beaubassin, Chebel, Chapman Hill, Coromandel, etc. De plus, avec le projet A1 A3 Link Road, le projet contribuera à réduire la circulation générée le long de la route A1 en offrant un accès alternatif à l'ouest. Le projet comprend la construction d'un viaduc et d'un giratoire à Chebel, d'un pont reliant la route A1 à l'autoroute M1 et d'un échangeur à Sorèze. Nous sommes ici le long de la route A1 de Beaubassin à Port-Louis pour prendre un viaduc de 140 mètres sur le nouveau rond-point de Chebel en direction de Coromandel et Port-Louis. Ici, sur l'autoroute M1 de Port-Louis à Beaubassin sur la route A1, les véhicules emprunteront la nouvelle rampe de 70 mètres à Sorèze qui enjambera l'autoroute M1 jusqu'au nouveau pont Grande Rivière Nord-Ouest. Les véhicules emprunteront ensuite la voie dédiée en direction de Beaubassin. Sur la route A1 de Port-Louis à l'autoroute M1 en direction de Port-Louis, les véhicules emprunteront la nouvelle voie vers le nouveau pont de la vallée de la Grande Rivière Nord-Ouest. Les véhicules emprunteront ensuite une bretelle reliant l'autoroute M1 en direction de Port-Louis. Les véhicules emprunteront ici l'autoroute M1
jusqu'à la route A1 en direction de Port-Louis. À partir de l'autoroute M1, les véhicules emprunteront une bretelle vers le nouveau pont de la vallée de la Grande Rivière Nord-Ouest, d'une longueur de 350 mètres et d'une hauteur de 90 mètres. Les véhicules passeront ensuite par le nouveau rond-point de Chebel et prendront la troisième sortie vers Port-Louis le long de la route A1. La deuxième sortie montre le projet A1 A3 Link Road de Chebel à Gros Caillou qui sera bientôt mis en œuvre.